Et bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Allez, normalement c'est bon, les soucis de son sont réglés. On va envoyer. Donc là vous entendez le son du jeu, vous entendez ma voix. Tout va bien. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. J'ai vérifié, le son fonctionne bien au niveau de la VOD. Là c'était juste un truc. Ça va pas bientôt finir, non ? Bah c'est bon, je me fais engueuler par le timer maintenant, enfin mais oh. Je sais que j'avais mis à 20, mais c'est pas une raison. À 15, pardon. Alors, on en était où ? Donc je disais, hein, désolé pour le petit retard, petit problème technique, j'ai une mise à jour sur Streamlabs OBS qui m'a foiré un petit peu le truc. Donc petite musique médiévale plutôt que la musique balancée sur YouTube qui passait normalement par la voix numéro 6, la VOD. VOD 6, mais j'ai un problème de réglage. Voilà. Ok. Alors, on en était où ? Une meute de chasseurs d'hommes qui est à l'extérieur, on est d'accord. On va essayer de se reconcentrer vite fait. J'ai tout qui est en intérieur. J'ai mon élevage donc de Trumbro qui est en place. Monsieur Gamer, ça va mieux. Faut le dire vite. Grosse faim. Fin de la priorité. Ouais, viens manger. Viens manger, viens manger, viens manger. Les colons, ils sont tous bloqués à l'intérieur. Ok. Je disais merci beaucoup Baby Boulish pour ton resub. Merci pour ton Prime, 39e mois d'abonnement. Merci, merci de votre soutien les gens. Je rappelle, alors les prochains streams. Donc ce soir je stream en parallèle de ça. Si jamais vous voulez écouter de la bonne musique, vous avez aussi le concert du Z-Event actuellement. Je ne streamerai pas ce week-end pour la simple bonne raison que je préfère que vous y allez voir le Z-Event, participer, bourrer les dons. Moi-même, je serai un simple viewer ce week-end. Donc voilà, prochain stream, ça sera jeudi prochain. Jeudi prochain, jeudi prochain. Bon, attendez, je me remets un petit peu dans le bain. On avait eu le problème des mécas, on les avait plus ou moins bien gérés. Barn est enceinte. Non, c'est pas Barn, c'est notre chère amie Jeanne. Jeanne est enceinte, donc bientôt futurs bébés qui vont arriver. Nous avons Bûcheron qui est ici. Donc ça, c'est cool. Au niveau de l'alimentation, on est mal. Il n'y a plus de légumes. Ok. Prisonnier combo, on en faisait quoi? C'était un esclave, je crois. Hein. On était en train de le convertir, ouais. Convertir, convertir. Il est de chez moi, mais il n'était pas converti, donc il est repassé par la case prison. Exactement, The Katniss. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Bon, on va attendre que cette troupe de Megatherium arrive. Je sais plus pourquoi c'était arrivé. C'était... On me l'avait proposé, je crois. Hein. Il me semble que c'était sur un contrat. Je sais plus exactement. Est-ce qu'il y a toujours un vaisseau commercial? Non, négatif. On est toujours donc en train de faire la salle cérémoniale ici. Parce qu'ils nous font un trône pour Dark et Gardan pour leur cérémonie de passage. Contrat de l'Empire, une quête. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ok. Bon, j'ai de la viande. J'ai plein de viande. Ça, c'est pas un souci. Par contre, maintenant, c'est l'alimentation. L'alimentation, il faut vraiment qu'au niveau des champs, il faut que ça se bouge. Galgara, tu te mets à l'agriculture et ça, c'est cool. Un fusil d'assaut normal. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a qui en aurait besoin? Pas grand-chose. Combo. Alors, Combo a développé une frénésie d'insultes. Il va insulter Canton sans discontinuer. C'est à cause de sa mauvaise humeur. Le déclencheur dirigé par les Arescaniens. Eh ben, je veux, oui. Ah, c'est Canton qui est en... Oh, c'est ballot, ça. Bah, vas-y, tape. Hein. Évite de le tuer, Canton. S'il te plaît.
Ok, nickel, merci. Salut bûcheron. Ça va et toi? Bon, il me faut des compos. Hein. Des composants avancés, des composants avancés. Il en faut plein, 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 plein. Ça va être d'ailleurs le... C'est crade chez les invités. Pas que chez les invités, c'est crade partout. C'est crade partout, 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 partout. On va remonter le niveau de priorité de notre chère chose pour qu'elle fasse avant tout du nettoyage. Salut Dragnaor. Salut Kergan. Au niveau des enfants là, on a personne là. On a qui en enfant là? On a Galgarad et The Katniss. Allez hop, perception du balai pour les deux. Alors The Katniss, oui. Galgarad. J'ai besoin aussi. Transport, c'est quoi ça? C'est pour décharger. Décharger les bêtes de somme. Ok. Faut que ça nettoie. J'ai commencé la vie active. En fait, il faudrait que tu ajoutes des caisses à outils dans l'atelier et la boucherie pour augmenter la vitesse de reproduction. Mais il semblait que tu étais short en acier. Oui, il faut que j'en fasse, tu as raison. Il faut que j'en fasse un peu plus ici. On peut en mettre combien déjà par établi? C'est 3, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est 3. J'ai un doute. Qu'est-ce qui saute comme ça? Ah! Eh oui. C'est vrai qu'on avait ça, là. On avait toujours ça à nettoyer, là. J'ai deux en tête. Salut Polika. Alors l'acier, il m'en reste un petit peu. Utiliser les médicaments avancés sur le prisonnier qui a pris que des contusions, c'est du gâchis. J'ai même pas fait gaffe. Je confirme que c'est une immense gâchis. Bûcheron d'ailleurs, tu es sauvé maintenant. Bûcheron, tu es revenu proche de la mort. Hein. Je sais pas si tu t'en rappelles. Si tu as vu la VOD. Pour la boucherie, ça va être compliqué de rajouter quoi que tu me diras. Je te dis une bêtise. Je peux mettre ça ici. Alors, pas prioritaire celui-là par contre. Médicaments avancés, il me reste 0. J'ai tout claqué sur l'autre. Super. Joie, bonheur. J'aimerais bien qu'on commence à le considérer en tant que tel. Oh, Lionel Finn, merci beaucoup pour ton resub. 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien, Lionel. Pourquoi tu ne prends des gars avec des robots esclaves? Oui. Des mécanitors. Parce que c'est pas prévu dans la campagne, Dragnaor. J'ai bien tout vu. D'abord, on m'oublie pendant l'accouchement et après, on me chouchoute pour me sauver. C'est bien, t'as tout compris. T'as tout compris, bûcheron. Eh, t'as été sauvé. Hein. T'as été sauvé pendant une agression absolue, là. Donc, pas mal, quand même. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, je ferais bien une sortie, mais c'est pas le bon moment quand je vois tout ça, là. C'est con parce que là, il y a de la viande. Il y a de la viande, là, il y a de la viande. On va attendre que ça se disperse un peu, quoi. Salut Sirius. J'en prends toujours incapable de se battre pour les ménages. Oui, mais là, regarde. Ça s'est déjà amélioré, là. Il suffit juste d'ajuster 2-3 trucs. Ou d'avoir des esclaves. On est à combien, la vitesse, là? On est à 112% de vitesse.
Maximum de connexion par structure, 2. Ok. Petite nausée. Allez hop. Mon dernier run, j'avais de tout par contre. Qu'est-ce que ça produit comme déchets? Ah bah oui, oui, bah c'est le revers de la médaille. On n'a pas les embrasures pour faire un peu de viande? Pas de ce côté-là. Ce côté-là, j'ai pas d'embrasure, non. Par contre, je pourrais en faire. Quoique même pas. Si, j'ai du marbre. Alors, bloc de marbre. J'ai pas des embrasures en marbre? Non, je les ai faites en granit, bien entendu. Alors. Ah, est-ce que je vais remplacer? Si je détruis pour remplacer, là je suis mal. Je vais faire le test ici. On a réparé le mur à droite. Oui, il n'y a plus de trous dans notre défense. Ok, ça se disperse. Ok, ça remplace après. En parlant d'embrasure, ça ne serait pas à cause d'elle que l'autocanon tirait comme une quiche. Ah bah, l'embrasure, oui, je pense que ça l'a pas aidé. Hein. Ça donne de l'efficacité en protection, donc je pense qu'à mon avis, les tirs en gros doivent pas aider. Hein. Mais comme c'est pas collé... En fait, l'idéal, faudrait que je le positionne quelque part et que je l'entoure. Je l'entoure d'embrasure. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Écoute, là, on fait avec. Au niveau collex, je suis encore un peu ledge. Et là, c'est les champs, là. Faut que ça se bouge un peu plus au niveau des champs. Ok. Ah. Re-Lorient. Ah. C'est pour qui l'œil bionique? La modération, s'il vous plaît. Si vous pouvez checker sur le chat, sur le Discord. C'est pas pour... Gardanne ou Lorient, je sais plus. C'est pour Lorient. Ok, Lorient, œil droit. Allez hop. Opération, œil droit. Let's go. Quoi qu'attends, on va te mettre là plutôt. Barnes, c'est toi notre doc. Non, tu vas pas draguer Lorient, tu vas opérer Lorient. Non mais oh. Ah oui, les bras Arcotex envoient du lourd. Ok Lorient, t'es tout beau, tout neuf. T'as un œil bionique. Bon, il nous faut de l'acier, là. Sur le monde, est-ce qu'il y a... Oh oui, non. Non. Fourrure épaisse, cuir,
Faut qu'on aille refaire du commerce là. Ouais, j'ai dit que je faisais sauter une réserve stratégique. Salut Foxy, petit passage rapide d'un viewer de YouTube. Je te suis depuis environ un an, last lunch avant la fin. Et je ne suis que l'épisode 8 sur cette série, donc je reste pas. Merci pour ces rediffusions et la bonne humeur que tu apportes avec tes streams et ta communauté. Ben, merci beaucoup Foxy, merci énormément. Ça fait extrêmement plaisir ces petits retours. Des gens qui regardent sur YouTube et qui passent en direct pour lâcher un petit bonjour. Merci Foxy. Salut Tanguy. Oh, j'ai raté quoi depuis le début? Je faisais le ménage. Oh, t'as juste raté un problème de son, donc j'ai dû démarrer le stream un tout petit peu plus tard. Parce que voilà. On peut récupérer la viande? Oui, on peut récupérer la viande. Alors, je dois en avoir un autre qui est en PLS. Non. Alors attends, on va chercher les morts. Ça c'est good. Celui-là c'est pas good. Alors au niveau des animaux, normalement les trombes rouges, je les ai. Voilà, ils sont retirés de la zone là-bas. Par contre, ils font pas le transport. Malivali font le transport. Alors, on va prendre le risque de les faire sortir. Tu l'as mis en interdit, celui proche de Mecha. Ouais, mais de toute façon, ils y vont pas, là. Ils ont pas la zone. Ils ont pas la zone, ils ont pas la zone. Et pour l'instant, on va rester... On va aller nettoyer ça vite fait, là. Je vais vite fait calculer où est-ce qu'on en est. L'occulteur solaire en plus il va me saouler. On va faire des petits sauts de puce là. Alors, c'était qui avait le lance-fumée? C'est Manolo. Ok, on va les laisser dormir. Et au petit matin, ça sera Manolo. Manolo, Kago. Et Barn. Allez hop, let's go. En plus des ressources de sol sur place. Ouais, de toute façon, je vais les nettoyer. Je sais, mais je pensais que c'était des inspirations, pas aspirations. C'est exactement ça, Manolo. Si tu oublies... Oublie d'envoyer le truc fumigène, c'est la mort quoi. On n'a pas d'IUM. Si, on a des IUM, mais je vais faire ça. Je vais faire ça avec les écrans de fumée. Ça marche Tanguy, ciao ciao. Ouais, maintenant c'est acier, plastacier. Alors l'or, ok. Plastacier, on a encore un petit peu. Ça me va, je connais pas cette méthode. Eh ben, je vais te montrer, Dragnor. C'est une méthode que j'emploie pas tout le temps. Mais il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier parce qu'elle est même parfois des fois plus pratique. Ok, Barn, Manolo. Ok, allez Manolo, viens manger un morceau. Ok, allez, let's go.
Manolo. Chevalier de Médoc. Peut-être. J'en suis où d'ailleurs au niveau de la recherche. Résurrection des ghouls. J'y suis pas encore. Ta super épée est arrivée. Ouais, oui, c'est pas faux. Oui, Crispy. La super épée est arrivée, effectivement. Que épisode 500. Lorient. Je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Avec Manolo. Allez hop. Alors. C'est passé à ça de la quiquette. Donc voilà, Dragnor, tu tires en continu et tu restes dans les fumigènes. Et les tourelles ne te voient plus. Tout simplement. Assez pratique. Le truc, c'est ça. Voilà, faut pas que ça loupe. Si jamais ça loupe et que ça se dissipe, ça peut mal se passer. Faut juste pas oublier ce genre de petits détails, dirons-nous. Ouais, c'est une vue de l'esprit, Kago. Je l'ai pas dit fort. Fais pas d'omelette sans casser les œufs. Alors ça fonctionne que pour les tourelles d'Azigi. Même les tourelles automatiques que tu as chez l'ennemi, ça fonctionne aussi. Par contre, les mecs qui veulent tirer à travers, ils peuvent. Ils peuvent dans le sens où ils auront un gros malus en termes de visée, mais on peut quand même te tirer dessus. Kago, il tient à ses œufs. Oui, bah peut-être. Exactement, Dragnor. C'est exactement ça. En fait, le jeu part du principe que tu as un système de visée pour les tourelles. Donc, il faut que la tourelle, entre guillemets, accroche ton signal. Et ensuite, en gros, c'est pour les mecs, il n'y a pas besoin spécialement de système de visée. Ils le tentent comme ça, quoi. Ils font marcher les statistiques. Sur un malentendu, ça passe. Ouais. Hop là.
Ok, et deux bras bioniques, hein, c'est ce qui reste à faire. La modération. Hein. Et après, on sera bon en termes d'équipement. Alors, Canton, c'est bon. Lorient, c'est bon. Monsieur Gamer, c'est bon. Ok. Un stock de but. Ouais, je sais, il faut que j'en refasse des stocks de but. Ok. Frénésie de mouvement. Sûrement parce que tu dois être concentré sur d'autres choses, du style aller taper sur les tourelles, cago. Ouh, j'ai un lecteur psychique, c'est quoi ça déjà? Alors, donne une faculté télépathique limitée, améliorant la capacité de l'utilisateur à prendre le dessus lors de négociations et des échanges sociaux. L'effet est proportionnel à la sensibilité psychique de l'utilisateur. Oh, pas mal ça. Pour Gardan. Gardan, t'as une sensibilité psychique de combien toi déjà? Comme ça, vite fait. 100%. Est-ce que c'est toi notre diplomate? J'ai un problème d'énergie? Non. Ah putain, si. Oh la vache. Comment ça se fait que j'ai une consommation bof. J'ai eu de la casse. Ça fait longtemps. Je l'ai pas vu arriver l'énergie quoi. Pas de geyser enfermé avec des trombones. Non mais j'en ai un ici là. C'est juste que j'essaie de constater... La tourelle consomme. Ouais, la tourelle consomme. Il faudrait d'ailleurs que je la mette sur un câble. Je suis en train d'y penser. Elle consomme pas beaucoup, hein, mais elle consomme un peu. L'épée plasmique consciente avait un truc pour les utilisateurs psychiques aussi, je crois. Ouais, mais on l'a pas prise. Si. L'épée consciente, on l'a pas prise, je crois pas. Hein. Ah non, elle est là. Pop. Kaylor. Ah oui, c'est pour ça que... Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? Que l'épée est arrivée. Ta super épée est arrivée, récompense de quête. Excuse-moi, Crispy Jack, effectivement, j'ai pas fait gaffe. Je pensais que tu parlais des épées monoculaires que j'avais déjà achetées. Mais effectivement, désolé, Crispy. Alors, hypersensibilisateur psychique... Cette arme amplifie la sensibilité psychique du porteur de 40%. Cela ne s'applique que lorsque l'arme est portée. Ok. Est-ce que quelqu'un est bon en négociation? Alors, ça ne sera pas Monsieur Gamer. Ça ne sera pas Lorient. Canton. Canton, il est censé avoir un bras gauche, hein, on est d'accord, hein. Si c'est pas le cas, il faut le noter. Canton, tu vas avoir tu vas changer d'épée. Et comme ça, Korbak va gagner une épée. Korbak ou Lorient, faut que je regarde. Mais je vais te le donner. T'as combien toi par défaut? T'as 100%. Ok. Allez. Tu vas devenir notre nouveau négociateur.
Pourquoi je peux pas les mettre? Ah si, installer lecteur. Il n'y a pas des malus là-dessus. Hein. C'est que du bonus, je crois. Esthétique, moins 4. Talent de diplomate. Ok. Oui, mais il y a les deux, il y a les deux. Regarde. Amélioration des prix commerciaux et talent de diplomate. Et l'effet est proportionnel à la sensibilité. Donc les deux sont liés. Il y a aussi la négo qui est pris en compte. Barn, tu vas t'occuper d'opérer Canton après. Hein. Un malus sur l'épée. Ouais, l'épée a un malus, lui, par contre. C'est quoi l'épée? Alors, l'épée a une conscience qui ne peut se lier qu'à une seule personne. Alors, la personnalité de cette arme est naturellement méditative et aide son porteur à se concentrer dans la méditation psychique. Le porteur gagne 10% de concentration psychique supplémentaire par jour tant que l'arme est portée. Non, elle n'a pas, de malus. Le porteur... Non, elle n'a pas de malus, celle-là. C'est l'autre que j'ai pas prise qui avait un malus. Allez, Canton, tu vas avoir une sacrée épée, là. C'est exactement ça, Kago. Canton devient stock avec l'invisibilité. Pourquoi il deviendrait stock? Oui, on verra si jamais on en fait un noble, Canton. T'es entre temps, Garnan il a le temps de mourir deux fois. Dark aussi, quoi. Je l'ai pas dit fort. On plaisante, on plaisante. Assiste à la cérémonie de mariage. Magnifique. Jeanne d'eau et Lorient se marient. Il y a aussi le lecteur dans le stockage près de la console. Parle de ça. Schéma technique pour le câblage du cerveau. Ça y est, on a un bras. Marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Si, Crispy, je vais faire ça. Ok, marié. Visiteur relation. Ah, oh, il y a ta fille qui passe. Kiwi. Kiwi, Kiwi, Kiwi. Kiwi qui meurt. Allez, comment? Jalouse, chétive, délicate. Oh là là, une princesse. Hop, 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 hop. Alors, des femmes, des femmes, des femmes. Donc on a Barn, Jeanne d'eau, Manolo, The Best. Et voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Allez. En équipe. Oui. Oui.
Lien Bloodlink avec Canton. Canton a établi un lien avec l'avatar de Kellor. Depuis, Kellor plasmique consciente refusera d'être manié par quiconque excepté Canton. Dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Alors, l'épée moléculaire, donc 12,08, 83%. On va comparer avec l'armement des autres. 12,08, alors ok, son épée allait mieux parce que c'est une merveille. Corbac, 15,79, 61%. C'est énorme une corne de trombeau, quoi. En fait, l'épée moléculaire, attends, à qui je pourrais la donner? Qui est fort aussi en mêlée? En mêlée. Si jamais à un moment donné, il faut envoyer du lourd. Pas grand monde. Qui n'a pas d'arme secondaire? Gardan. Allez, Gardan, tu viens de gagner un symbole de pouvoir. Ouais, mais t'as déjà beaucoup de choses. T'as un fusil, t'as ça. Pourquoi tu la donnes pas à Lorient? Parce que Lorient, il a une meilleure arme. Regarde. Lorient a une arme qui a 12,48, 48%. Et là, elle est à 12,08. Bon, ok, elle est à 83%. On est d'accord. 83%. C'est vrai. Elle n'est pas 83, ça fait quand même deux fois plus, quoi. Ouais, non. Non, tu as raison. Tu as bien fait de me le signaler. Il faut savoir... Et Gardan s'équipera de l'épée qui va être léchée ici. Voilà. Tu as raison, c'est mieux. C'est mieux. Mettre le bras sur Lorient. Alors non, le bras, il est pour qui, là? Dans la liste, c'est qui, Galgarad, s'il te plaît, Galgarad ou The Best? Il est pour qui, le premier bras bionique? On va le donner à la personne qui en a le plus besoin. Alors, Kago Ghost. Allez, je t'ai remis un peu en recherche. Le bras, c'est pour Canton ou Monsieur Gamer? Waouh, les cicatrices qu'il a, quoi. Alors, 42. Ok, ça va être pour Monsieur Gamer. Bras droit. ...340 d'acier, je les ai. Les composants, je les ai aussi. Jeanne, s'il te plaît. Ok. Il faut aussi des yeux. Ouais. Non, c'est les batteries qui sont mortes. Les batteries, elles sont mortes. Elles sont pourtant sur le circuit. Non, c'est juste que ma base consomme trop. Il y a moins de soleil avec l'appareil. Ouais, peut-être, mais là, les batteries ont vraiment du mal à redécoller. Hein. J'ai rien à attaquer dans le coin.
La boule à facettes et les baffes sont allumées. Ouais, c'est pas pour ce que ça consomme. Hein. Ah si, 150, j'ai rien dit. Ah ouais, 150. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Mieux. Mieux. Un colon qui n'a pas d'arme de corps à corps peut utiliser le mannequin d'arts martiaux ? Je pense que oui. Ah, ça c'est pas comme si je l'avais vu arriver. Alors, mes herbies. Ça y est, craque lui. Attention, The Best fait n'importe quoi avec les invités. Oh, ils communiquent, ils discutent. Jeanne, t'as pas envie. On sent que t'as pas envie. C'est bien que tu te lances aussi à la ferme, à l'agriculture, Galgarde. Parce que franchement, je vais vraiment en avoir besoin. Il y a trop de fois parce que les champs sont vides. C'est pas normal, quoi. C'est clairement pas normal. As-tu déjà fait un run avec le mode dino ? Oui, j'ai déjà fait une campagne avec des dinos, il me semble. Me semble. Je sais plus exactement laquelle. Tu devais miner devant la tourelle au sud pour une vue dégagée. Ouais, je peux miner ça. Bon. Alors. Je dis pas que c'est définitif. Je dis juste que si jamais je fais venir d'autres bestioles ou autres, je vais pouvoir me défendre. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Ici, il faut que je fasse une kill room. Des fois, ils laissent des trous. Tu n'as pas peur pour tes trombos ?
Ah, tu penses? Ok. Si, j'ai peur pour les trombos, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai un élevage à récupérer, on est d'accord. Oula! Besoin derrière, détruire les murs après. Ouais, je pense que je vais faire ça, effectivement. Je peux faire comme ça. Jeanne Do, en travail. Plus un trombo. Oh, j'ai pas vu. Il est où? Il est où le nouveau Titi? Il est là, le Titi. Ok. Jeanne, tu es où? Ah, tu es là. Tu es là. Qui vient t'aider? Personne. C'est nickel. L'amour des ans. Monsieur Gamer. Allez hop, vite. C'est leur premier enfant, je crois. Donc là, on va voir quoi? Lorient et qui d'autre? Encore un enfant parti trop tôt. Mais non, arrêtez. C'est combien de jours que je passe enfant et que je fasse autre chose que chouiner? Oh, je sais pas. Bon, on va faire ça comme ça pour l'instant. Allez hop, let's go. Ce jeune n'avait personne d'autre? Non.
Non, bûcheron. Bûcheron, sa maman, c'est Barne et son papa, c'est Gardan. Ok. Naissance d'un bébé en bonne santé. Et c'est une fille. Allez, la modération, dites-moi qui c'est. Nouvelle personne qui arrive. Bienvenue en enfer. Pas trop une mort, hein. On en a eu que deux pour l'instant. C'est safe, hein. C'est safe. Safraline, le retour. Merci, Galgarad. Ok, alors... amène à la mer aussi. Voilà. Ah, rejet de Jeanne d'eau, dommage. La prochaine fille, ce sera Wesna. Yeah. La bouffe quoi pour bébé, il y en a ici là. J'en ai 38 ici. Et après, la nourriture normale, il y en a là. J'ai 6 morts. Araskane, Eraskane, Polika, Kergan, machin et truc. Ouais, allez, les esclaves, on les compte pas trop. Hein. Moi, je compte ceux-là surtout. Les Raskane, on la compte pas non plus. Je savais d'entrée de jeu qu'elle était pipée, quoi. Donc, c'est Polika et Kergan qui m'intéressent surtout. Kergan et Polika, voilà. Maman, elle t'a mis au monde, bûcheron. Donc, embête ton père un peu. Moi, je compte plus vraiment. Ah, regarde si elle s'occupe pas de toi, ta mère. Bûcheron, je vais t'envoyer en première ligne dès que tu seras à l'âge adulte. Pas mal, Monta, pas mal. Avec plaisir. Alors, du bois, je m'en fous. Oh, on va aller faire du commerce. Canton, tu vas devenir notre nouveau négociateur. Alors, tu vas être accompagné par... The Best Gardan et Korbach. Deux CAC, deux pompes. Oh, ça vaut trop cher, quoi. Bébou et reste à terre, j'ai bien envie de les vendre. Quoique non, c'est deux femelles. Même les trucs, les gosses valent une fortune. C'est énorme. C'est lequel qui est dressé? C'est le Red ou c'est, Tanguy Tanguy. Ça doit être le Red. Ouais, c'est le Red.
Allez, Léored, tu y vas. Lol, Lorient. Je pense que je vais réduire l'élevage d'alpaga. Quoi que tu m'iras, je sais pas. Ou l'élevage de chips. Résidus de plantes. Ah, il y en a un peu. Ok. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est stocké parce qu'il me semblait que mon stock était vide. Médicaments, non. Vous allez prendre. Vous allez en prendre une centaine parce que ça se revend, ça. Ok. Et en termes de ressources, le fusil d'assaut, ça, on va le garder. Ça, on va vendre. J'ai pas grand chose à aller vendre. Allez, let's go. Les grenades tox. Ouais, j'en ai deux. Allez, je peux en vendre une. Je regarde toujours une, on sait jamais quoi. Let's go. Le trumbo compte comme monture pour les caravanes. Si oui, on peut lourder les chevaux. C'est une bonne question, ça. Cool. Non, ils affichaient pas de poids, effectivement. Il y a que les alpagas et les chevaux est-ce qu'ils pouvaient faire mule. Attention que certains colos ne mangeront pas la nourriture de la caravane. Comment ça? C'est des rations de survie. Oui, la harpe. Il y avait la tête de cheval à côté d'eux dans le menu, donc oui, monture, bête de somme, je suis pas sûr. Non, 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 il n'y avait pas de bête de somme, ça c'est sûr. Ah! Le régime alimentaire, ils sont tous sur du gastronomique. Non, c'est bon. Je me demande s'il pourrait se trouver dans la deuxième bergerie. Non, il se trouve ici. Et d'ailleurs, ça me sert à rien là. Sachant que mon stock il est ici pour faire les croquettes. Sachwin. Ah, Barn, c'est pour ta pomme. Papa, il a trouvé le moyen de partir en caravane. C'est bien, Galgarad. Éduque-toi, éduque-toi.
Ah voilà. Je vais poser des questions sur la canne. Si on l'a gardée ou pas, le jeu a répondu pour moi. C'est pas pour les quelques œufs qu'elle avait, ouais. Pas grave. $443 d'argent, pas mal. Non, j'avais pas fait gaffe. À... Je sais que enfin, j'avais vu le message, mais j'avais pas fait gaffe à la teneur du cadeau. Alors. Ok. Enterrer la canne, ouais, ouais, c'est cela, oui. C'est ça, j'avais fini sur une porte, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Si, 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 la première ligne aussi doit y être. Ok, pour combo, ça c'est bon. À servir. Hein. Attends, mais c'est déjà un esclave, je crois. Ouais, on va réduire la volonté et après on va faire.
Alors, interrogeons le prisonnier, observation de ses réactions pour tenter de déterminer s'il est vraiment la personne qu'il prétend être. En gros, c'est pour savoir si tu as une anomalie ou pas, quoi. Les chances de détection d'un imposteur sont proportionnelles à la capacité d'interaction sociale du gardien. Ça marche, Polika. Ciao, ciao. Je sais qu'il manque des pièges dans la killbox. Jusque là, j'en fais une pour en faire une. Second bras bionique, on a dit que c'était pour... Pour Canton, je crois. Mais Canton, il n'est pas là. Ok. On va faire aussi des yeux bioniques. Je vais faire un petit tour, là. Alors, la caravane vient d'arriver de l'autre côté. Sans Fräulein, je te mets de l'autre côté. Alors, Dark, il est ok. Barn... Ok. Jeanne, ok. Kago. Une oreille, ok. On va mettre deux yeux. Deux yeux de plus, s'il te plaît, pour Monsieur Gamer. Ok. Et après, une oreille, oreille bionique, t'as, ça fait rush quand même pour une oreille. J'ai du mal à justifier Van Gogh là, pourquoi je ferais ça là. Ça ferait vraiment cher quoi. Ça fait vraiment vraiment cher quoi. Ouais, non, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, ouais, pas besoin. Ça fait très cher pour ce que c'est, quand même. Les yeux, je veux bien, mais... Pardon, la caravane est arrivée. Alors, commercer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau à nous vendre ? Il a de l'or. Ok. Nous, il nous faut, c'est de l'acier. Hein. Le pack d'orso, ouais. Ouais, le plastacier, c'est pas mal ça aussi. Les trois mines. T'as, il a pas d'acier le gars ? Non. Les canons, j'en ai encore un d'avance. Bon, j'ai tiré un petit peu avec, allez, admettons j'en prends un. Les croix à venin, non, le temps d'utiliser... Les croix venin, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est pas assez rapide, on va dire. Connecter une pompe à venin, utiliser la pomme en ennemi, déployer les injecteurs, injecter du venin à la cible. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Surtout que là, vous êtes les corps à corps, ils sont équipés d'épées, ça commence à envoyer du lourd, quoi. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu.
Allié. Oh, mais je veux pas être allié avec eux, moi c'est avec l'Empire que je veux être allié quoi. Oh là là. Oh là là. Non. Me semble pas. C'est vrai qu'on pourrait essayer de kidnapper quelqu'un. C'est bien, ça replante, ça replante. Ce serait peut-être temps, quoi. Allez. C'est l'heure du café, les gens. Donc, on se retrouve dans quelques petites minutes pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui sont en replay sur YouTube. Écoutez, ça sera donc au prochain épisode. Allez, bye bye, les gens.